Bonjour, aujourd'hui montage de la poussette Aventure Dinopet. Prendre le panier de la poussette. Prendre la partie avant de la poussette. Et venir la clipser. Bien enfoncé. Voilà, que l'éclipse ressorte bien de chaque côté. Ensuite, prendre la roue avant, clipser la roue avant aux emplacements prévus, les trous pour réceptionner la partie clipse du bon côté. La barre de roue arrière, mettre le frein de blocage vers l'extérieur et venir clipser ici. Mettre les roues arrière, appuyer sur le clips ici pour verrouiller la roue. Même chose de l'autre côté. La poussette, mettre en place le panier, le porte-gobelet, venir se clipser de chaque côté ici. Pour l'utilisation de la poussette, vous pouvez avoir deux attaches à l'intérieur pour attacher vos chiens si vous voulez, ou fermer totalement avec le filet et la fermeture. Le chien peut voir ici, 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 et il peut vous voir également de l'autre côté. Ouverture de la porte arrière si besoin. Vous passez le chien par la partie avant. Si vous ne souhaitez pas mettre le filet, il peut être plié à l'intérieur. Pivotement de la roue 360 degrés, donc conduite une seule main. Et si vous êtes sûr du c'est un meuble, on peut verrouiller la roue avant. Ceci. Voilà. Du coup, la roue est bloquée. Pour le pliage de la poussette, déverrouiller avec le clips en dessous, appuyer sur la poignée et laisser descendre. Voilà. Votre poussette est pliée. Si vous voulez gagner de la place pour la ranger dans la voiture, vous pouvez retirer les roues facilement. Voilà pour la poussette. Aventure Dinopet.